Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Shalom, shalom, choisis de Dieu. J'espère que vous êtes très bien réveillés par la grâce de Dieu. Que cette grâce et la bénédiction de notre Seigneur vous poursuivent tout au long de ce jour. Que la grâce, la paix, la joie de notre Seigneur Jésus vous envahissent en cette journée. Nous la commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, l'Église, notre Mère, en ce jour nous parle en ces termes. La parole nous révèle qu'en réalité, si nous sommes sur cette terre des hommes, c'est pour servir le Seigneur. La parole nous révèle en ce matin que la raison de notre vie, c'est de servir Dieu, lui qui nous a fait, lui à qui nous appartenons. Jésus déclare dans la parole de ce jour, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alors bien-aimé de Dieu, je t'appelle au service. Je t'appelle à servir Dieu parce que c'est la raison de ta vie sur cette terre. Tu ne peux pas faire autrement. Sers-le dans ton mariage. Sers-le dans ton lieu de travail. Sers-le dans tes études. Sers-le dans tes entreprises. Sers-le dans ton ministère. Partout où tu peux être, laisse-moi te dire que ta raison de vivre, c'est de servir Dieu. Qu'importe le lieu où il va te planter, c'est dans ce lieu que tu vas grandir, c'est dans ce lieu que tu vas servir, c'est dans ce lieu que tu vas parler de lui, et c'est dans ce même lieu que tu vas lui gagner des âmes. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, mon Jésus, que je sers sur cette terre des hommes, alors pourquoi je suis né? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est l'éternel des armées que je sers sur cette terre des hommes, alors pourquoi je suis né? Je me demande quelle est ma raison de vivre. Si ce n'est l'agneau du Dieu vivant que je sers sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je suis né? Car je suis né pour te louer. Moi je suis né pour te servir. Je suis né pour te servir. Je suis né pour te servir. Tu m'as créé pour te servir. Tu m'as façonné pour te servir. Je suis né pour t'honorer. Moi je suis né pour t'honorer. C'est la raison de ma vie, t'honorer. C'est la raison de ma vie, te servir. C'est la raison de ma vie, t'honorer. C'est la raison de ma vie, te servir. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur,
il aura la lumière de la vie. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Bien-aimé, je veux juste te rappeler que il n'y a que du bien dans le service pour Dieu. Il n'y a que la grâce dans le service pour Dieu. Si en réalité tu es dans ce à quoi Dieu t'a appelé sur cette terre des hommes, laisse-moi te dire que tu auras une vie épanouie. Malgré tout ce que tu peux vivre comme épreuve, tu auras une vie épanouie. Parce que tu es dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu es dans le champ de Dieu. Tu vis pour Dieu. Tu existes pour Dieu. Tu marches pour Dieu. Alors, si peut-être tu n'étais pas dans le service, décide maintenant, par la grâce de Dieu, et dis-toi que je dois servir mon Seigneur et mon Dieu, là où tu es. C'est ton devoir sur cette terre des hommes. Moi je suis né pour servir Jésus. Il m'a créé pour l'honorer. Il m'a façonné pour le servir. Il m'a créé pour témoigner de lui. Il m'a façonné pour lui gagner des âmes. Il m'a créé pour son service. Il veut m'utiliser pour sa gloire. Il veut m'utiliser pour toucher des âmes. Il veut m'utiliser pour le servir. Il veut m'utiliser pour sa gloire. Si je suis né, c'est pour servir Jésus. Si je suis né, c'est pour servir Jésus. Si je suis né, c'est pour servir Jésus. Nous n'avons pas d'autre objectif. Alors que le Seigneur, par sa grande bonté, nous maintienne dans ce service, qu'il nous donne la grâce de le servir à temps et à contre-temps, malgré tout ce que nous pouvons vivre, car telle est la raison de notre vie. Bien-aimé, que la grâce, la bénédiction, la paix de notre Seigneur Jésus te poursuivent tout au long de cette journée. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.